je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce vlog d'août numéro 1. S'il vous plaît, il est 7h22 du matin, laissez-moi le temps de me réveiller et je vous explique tout de suite. C'est parti. Excusez-moi, je suis partie de manière très précipitée de la maison tout à l'heure. Ça commence bien pour ce premier vlog d'août. Mais je suis en compagnie de Hera Pipette, ma fille. Voilà, Hera, vous savez, j'avais fait un complet avec elle. Et donc là, aujourd'hui, pour cette première journée ensemble, on part faire un entraînement de cross avec Hera. C'est pas moi qui vais la monter, je vais peut-être faire un peu de négociation pour passer un ou deux obstacles avec elle, mais c'est pas moi qui vais la monter, elle va être montée par un cavalier pro, histoire voilà, que bah, du coup elle découvre vraiment les obstacles de cross, puisque bah, je vous remets dans le petit i notre vidéo de quand je l'avais sorti en complet, mais sur le cross c'était pas ouf. Bon, alors je vous présente les protagonistes de cette journée. Nous avons donc ici Temtem, aka Téméraire, cheval d'amateur élite, qui vient se redésensibiliser au guet parce qu'il a un petit problème de vue maintenant, et donc bah, du coup ces derniers temps le guet c'était compliqué pour lui, donc voilà, aujourd'hui lui c'est mission guet. Ensuite juste là nous avons la Soso, la Solène, vous la connaissez bien. Ensuite nous avons la plus belle, Maëra Choupinette. N'hésitez pas à dire à Solène de me la confier dans les commentaires. Donc voilà, Hera Poupette, bah elle, clairement, elle vient se désensibiliser à tout, hein, voilà. Et ici, nous avons Stéphane, qui est notre cavalier du jour et qui va monter, du coup, ses deux gros poneys. Voilà, donc, on passe à la préparation. On a été faire un petit repérage. Franchement, le cross, c'est trop cool. C'est en plein dans la forêt, il y a des obstacles de partout et tout, c'est sympathique. Je regrette presque de ne pas avoir emmené Soleil, mais vous allez voir un peu plus tard dans la journée qu'il est un peu en situation d'embonpoint, donc c'est pas trop le moment pour lui de faire du cross. Voilà, bon, on passe à la préparation de tout ce petit monde. I think that I'm going to hide it. Somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. Devinez ce qui a marché, ma négociation pour faire un saut avec Hera. J'avais pas du tout emmené ma bombe, pas du tout, j'avais pas du tout prévu. Oh purée le trou, j'avais pas du tout prévu que j'allais négocier de monter dessus. Absolument pas. On va juste faire un petit saut, elle a été trop top. Sa propriétaire est très contente. Et Stéphane il a dit que je devais la sortir en amateur 4. On verra ça plus tard. Hein. Pour l'instant, on n'y est pas. Faudrait déjà que je sorte mon poney en concours. Ouais. Ton verre de coke. Coca, pas cocaïne.
some gates never get to open, 'cause it's too late. I could be the one who saves you from this place. Baby, they ain't never gonna find me, find me, find me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. Je me rends compte que je vous ai complètement lâchement abandonné, comment dire, ça commence bien pour le premier vlog d'août. Non mais en fait je vous ai même pas expliqué ce qui se passait concrètement, c'est que je suis en vacances et donc je rentre à la maison chez mon père avec Soleil et Sango. Bref, là je suis toujours avec Solène, toujours, on aura passé la journée ensemble et on va récupérer du foin qu'il y avait pour sa jument. Bref, c'est une autre histoire. Je vais récupérer du foin du coup pour mettre dans le jardin à la maison, parce que là actuellement les poneys sont blindés d'herbe, mais à la maison bah y a pas d'herbe, enfin vous connaissez la maison quoi, donc foin. Donc on va récupérer du foin, je vais le mettre dans la voiture et ensuite je vais chez mon père. Et je prendrai le temps de mieux tout vous expliquer schmiglic après. Bref, on fait une mission foin, c'est parti. Il n'y a que moi pour prendre du foin avec un seau de béton ciré et une selle dans mon coffre. Est-ce qu'il faut te laisser une place à l'avant aussi? Je sais pas, j'arriverai pas. Avec les piquets? Oui. Mais tu vas pas t'installer avec les piquets? T'as dit que c'était pas loin. Non, c'est pas loin, mais le mieux, c'est que toi et Dodol vous alliez à l'avant et qu'on sacrifie l'arrière. Ouais. Voilà. Faut le passer. Ça va aller. Libre, libre. Un jour ça va changer. Qui est en train de tomber dans ma voiture. Non. Et voilà, la mission ramener les piquets à la maison, c'est fait. Le foin pour leur arrivée demain, c'est fait aussi. Il y a un deuxième ballot qui est en stock. Dans tous les cas, bah forcément, j'irai en racheter. Vous verrez ça au fur et à mesure de la semaine. Et maintenant, on retourne au pré, dire bonne nuit aux poneys et vous leur dire bonjour quand même. Et puis voilà, ça aurait été un dimanche productif, n'est-ce pas madame? Oui, on aura fait plein de trucs. C'est qui va arriver en premier là? Vous faites la course? Qui aime le plus maman? Oh, Soleil t'as perdu. Oh, Soleil t'as grave perdu. Coucou mon nini de l'amour. Vous venez voir là les garçons, j'ai un truc à vous annoncer. Je peux vous annoncer la nouvelle, vous êtes tous les deux là. On rentre à la maison. Ouais, on rentre à la maison pendant une semaine de vacances. Pendant une semaine de vacances. Donc voilà, du coup, bah, comme je vous en ai un peu parlé vite fait tout à l'heure, on va rentrer pendant une semaine chez mon papa et la grande nouvelle, c'est que je rentre avec les poneys. Donc je suis trop contente. Moi, j'ai une semaine de vacances là dans mon travail et donc du coup, bah, j'avais envie de rentrer chez mon père, de profiter d'une semaine tranquille, genre dans mon ancienne vie et tout. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais
J'avais trop envie d'être à nouveau chez mon père, avec les poneys, de retrouver ce petit quotidien pendant une semaine, parce qu'il faut se rappeler que quand j'ai déménagé dans mon appartement il y a 2 ans, il s'est passé ça. Et voilà, franchement, ça a été une chance incroyable d'avoir mes chevaux dans mon jardin, à 50 mètres de ma chambre, pendant ces 3 ans. C'était ouf. Et voilà, ils sont toujours... Donc voilà, j'étais terriblement triste. Et si même avec le temps, forcément, la tristesse de ne plus les avoir au pied de ma chambre s'est atténuée, et que maintenant ils sont dans un pré incroyablement formidable, et pour rien au monde j'échangerai ce pré, ça va nous faire trop du bien de se retrouver, d'être tous les jours avec eux, tout le temps. Donc voilà, je suis trop contente. Donc on rentre demain, donc vous découvrirez ça dans le vlog numéro 2. Et en même temps, du coup, j'en profite pour vous faire cette petite semaine de vlog, la traditionnelle semaine de vlog d'août, parce que vous n'en avez pas eu l'année dernière à cause de l'accident de Sango. Et donc du coup, j'avais très envie de vous le faire cette année. Donc je me dis, on rentre à la maison, je vais être sur place avec eux, je serai à la maison aussi, je vais faire ma valise et je ne rentrerai pas dans mon appartement pendant cette semaine. Donc c'était l'occasion parfaite pour vous faire cette semaine de vlog d'août vraiment, vraiment à l'ancienne. Voilà, j'espère du coup que ce premier vlog vous aura plu. Malheureusement, aujourd'hui, comme vous avez compris, on n'a pas trop vu les poneys, mais on les verra beaucoup plus à partir de demain. Donc des très gros bisous, et j'espère que ça vous fait tout autant plaisir qu'à moi de suivre cette semaine de vlog. À demain. Bisous tout le monde. Ciao.